Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire de la carterie. Mon fils m'a demandé de faire des cartes pour Noël de mes petits-enfants. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Faites pas attention, j'ai une sale tête, je suis pas bien, voilà. Sinon, comme je suis pas bien, j'ai du mal à parler, j'ai les douleurs à la langue. C'est youpi, tout va bien, c'est la fête à la maison. Donc, on va s'y mettre. Donc, je parlerai pas beaucoup, mais vous verrez, c'est tout en images. On comprend très bien. Allez, on y va. Et on... donc, j'en ai 3 à faire. Je sais pas s'il y aura les 3 aujourd'hui, mais je fais mon possible. Voilà. Allez, bon visionnage. À tout à l'heure. Alors voilà, je vais utiliser les cartes d'action, une verte, une bleue marine et une dorée. J'ai fait, vous l'aviez vu l'autre jour, les petits Pères Noël, les petits lutins plutôt, même des gnomes. Hein. Alors je les ai pas encore tous découpés parce que je n'ai pas retrouvé mes dies. Donc je les ai découpés à la main. Voilà, il y a des dies que je retrouve pas. Faut que je fouille. Donc j'en ai déjà découpé quelques-uns et j'ai déjà découpé une maison champignon. Je vais utiliser ce papier. Alors c'est un papier, alors voilà, c'est un papier adhésif glitters. Voilà, je vous mets comme ça, vous voyez ce que c'est. C'est du blanc pour faire la neige, tant qu'à faire. Des fonds de page, je vais utiliser des papiers action qui viennent des grands blocs de Noël. Alors, je crois que c'est les blocs de l'année dernière. Et puis, on va voir, on va continuer comme ça. Allez, on y va. Alors, je vous ai dit, je ne parlerai pas beaucoup, mais je vais essayer de vous donner les dimensions entre deux. Donc là, je vais faire 14, puisque c'est les cartes sont 15-15. Donc là, je vais faire 14 sur 14 pour les fonds de cartes. Alors désolé si vous m'entendez renifler de temps en temps, je sais que ça peut ne pas plaire à certaines personnes, mais bon, je ne peux pas trop m'en empêcher, j'ai vraiment une grosse crève. Voilà. Ici, je vais... de la neige comme ça avec ma big shot dans le sens, c'est mieux. Alors, j'avais d'autres dies aussi, droit, ondulé, tout ça, pareil. Je ne sais pas où je les ai rangés. Il va falloir que je fasse des fouilles approfondies dans mon atelier, parce que là, ça devient bizarre. Alors, désolé, ça bouge, mais c'est avec la big shot. Allez, hop. Regardez si ça a passé. Est-ce que le papier est assez épais là? Oui. Désolée, hein, c'est vraiment... Même pour moi, c'est chiant. Hein. Alors, on va chercher le sang, s'il y en a un. Non, pas trop. Donc, je l'ai fait 14 aussi, en largeur. Voilà. Et comme c'est... comme je vous avais dit, c'est adhésif, donc là ça va aller très bien. Ce qu'il faut, c'est le mettre bien droit dès le début. Vous voyez bien, oui. J'ai ma boîte à mouchoirs à côté de moi, donc ça va aller. Désolée, je vais me moucher. Oh, mais qu'est-ce que c'est casse-pied, les rhumes. Oh. Je pensais ne pas en avoir cette année, mais non, c'est raté. Alors, je vais regarder si j'ai des petits... Pour faire des petites étoiles. Enfin, les petites étoiles sont dans ma boîte à malice qui n'est pas encore rangée. Ça c'est un peu grand peut-être. J'ai des dice qui sont pas rangés encore. Mais je vous dis, j'en ai qui ne sont pas... je ne sais pas où ils sont. Pas moyen de savoir où je les ai mis. Donc ça, ça m'inquiète. Ah voilà, la toute petite... La toute petite, viens par ici. Elle veut pas venir. Allez, viens maman. Viens avec ta maman. Viens maman. Elle veut pas. Voilà. Voilà, la petite. Donc là, elle est trop grande. Je vais faire que la petite. Oui. Toute petite comme ça. Donc on va couper là, dans celui-là. À moins que j'en ai là, mais j'ai pas de comme ça de comment en argenté. Alors sinon faut que je colle des bleus comme ça. Du noir, non. Ça c'est du gris foncé, du doré, ça n'ira pas. Argenté, voilà. Argenté. Ah ben, regardez. J'en ai. Youpi. Super. Ah ben, vous voyez, je suis plus riche que je ne le savais. Donc, on va couper un morceau. Je n'étais plus riche que je ne le savais. Je ne savais même pas que j'avais encore de l'argenté en adhésif. Donc là, il ne me faut pas un grand morceau. Faire une petite bande. Ah. Voilà. Des fois, on pense... Et ça, je... Non, ça, c'est de la mousse. Je crois que j'avais aussi du doré. Mais bon... Alors ça, je les avais, ces feuilles-là, je les avais achetées chez Cultura, quand j'habitais encore à Villeneuve-d'Ascq. Bon, maintenant, j'ai plus de Cultura, moi, ici. Hein. Alors, des fois, c'est la blague à mon mari. Ah, bah, tu vois, quand on habitait Villeneuve-d'Ascq, on avait tous les magasins à notre porte. Ben oui, en plus, c'est vrai, ils étaient à notre porte. Et bon. Sinon, on n'a que sur Valenciennes, un Furet du Nord et la FNAC. Une étoile. Je vais en faire 3, 4. Enfin, il faut faire. Je fais un chiffre impair. Je fais toujours des chiffres impairs pour les petits motifs. Désolée si je vous fais bouger et que vous voyez l'ombre de mon gros bras. Bon, je vais en faire 5. De toute façon, je verrai si je vais en mettre 5 ou pas. Et j'espère que j'ai un joyeux Noël en argenté. Sinon, je ferai un tampon. Je verrai bien. 4. Voilà, et un petit 5e. Et voilà. Hop. Donc je vais remettre toutes. Non, je vais mettre l'étoile là au-dessus si j'en ai encore besoin. Tellement petite, je ne voudrais pas la perdre. Alors, j'ai mes petites étoiles et je vais regarder pour mes gnomes. Alors, lequel je vais mettre? Est-ce que je lui mets une petite maison en lui? Alors c'est pareil, j'avais, je crois que j'avais un die sapin, non? Je sais plus. Je dis, il manque des dies, hein, c'est pas possible. Ah, pourtant j'ai... Ah bah celui-là il s'est déjà décollé. Je vais déjà le coller, hop. Alors ça on n'en trouve plus, hein. Je parle d'action, hein. On n'en trouve plus, donc heureusement j'ai encore une réserve. Voilà. Donc j'en aurais plus, bah, j'en achèterai ailleurs, hein, puis c'est tout. C'est pas grave. Alors on va déjà mettre mon gnome pour voir la place qu'il va prendre. Allez, petit gnome. J'espère que vous voyez mieux quand je suis ici dans mon atelier. J'ai changé l'ampoule de mon atelier. J'ai mis une plus forte. Parce que celle qui était au plafond, c'était une 40 watts. Quand je l'ai enlevée, j'ai compris pourquoi je voyais pas. Je ne voyais rien. Alors, est-ce que j'ai ma pince? Oui. Ah, elle est sur le papier. Voilà. Hop. Ah, je croyais, non. J'ai cru que j'avais fait une bêtise déjà. Et non, j'ai pas encore collé sur la carte. Pas les idées claires aujourd'hui. Tant j'étais me coucher de très tôt. Je suis couché, il était 9 h hier. C'était vraiment exceptionnel. Moi qui me couche à minuit, je ne dis pas. Allez, mon petit gnome. Attends, je vais prendre une petite épaisseur, pas grande. Juste là. Voilà. 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 Et si je remettais une petite couche de... Est-ce qu'on te met un petit copain? On te met un petit copain? Alors, un petit copain... Quelle couleur? Ouais, un petit copain rouge. Allez, on va lui mettre un petit copain rouge. Voilà. Comme ça, il a un petit copain avec lui. Voilà. Et une petite épaisseur en plus. Voilà. Ah, je me colle les doigts. Ça colle, hein. Je m'en mets partout. Voilà. Alors j'avais dit, je vais voir, peut-être pour me mettre un petit peu de neige, pour qu'ils aient un peu les pieds dans la neige. Je vais voir ce que ça donne. Attention, ça bouge, on voit mon gros bras. Oh, j'ai eu peur. Ça y est, c'est ma boîte à crayons. Voilà. Hop. Voilà. Alors, je vais mettre un petit... Oh là 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 là, je m'en colle, je m'en colle, je m'en colle. Là, je suis obligée de mettre une épaisseur. Hein. Je reprends mes étoiles. Voilà. Faire un petit bout ici. J'enlève quand même la protection adhésive, hein, ça tient de toute façon. Adhésif sur adhésif, ça tiendra encore mieux. J'ai la tremblote, les filles. Des petits bouts. J'ai vraiment la tremblote. Ici. Voilà. Et le dernier petit bout au bout. Ah, j'ai une tremblote, mais alors d'enfer. Voilà. Je vais mettre un petit truc. Voilà, vous voyez ? J'ai pas mis la petite maison à la prairie, je vais pas le mettre sur celle-là. On va leur mettre une étoile à ses pieds. Pourquoi pas. Et la dernière. Dans la neige. Voilà. Maintenant, il faut que je fais une étiquette. Alors, les étiquettes, elles sont là-dedans. Hop, la petite étoile. Non, elles ne sont pas là-dedans, les étiquettes. Elles sont là-bas. Elles sont sur le mur. Oh là là. Et faut que je regarde donc si j'ai un joyeux Noël en argenté. Oh. Alors, les anniversaires. C'est pas ça, c'est pas ça. Là, c'est un doré, je vais le mettre de côté. Là, c'est pour la nouvelle année. Ah, vous allez voir que j'en ai pas en argenté, ça va être chouette. Là, c'est en doré. Ça, c'est une bonne année. En doré, oh là là, c'est pas vrai, j'aurais dû regarder, ça c'est Pâques, alors là j'ai en argenté mais c'est pour Pâques, ah je l'ai en argenté là, mais c'est en anglais, là, ah ça y est, je l'ai, youpi, ouf, je l'ai. C'est bon. Sauvé. Donc, on va faire le fond en blanc, peut-être. Oui. Alors, je fais le fond en blanc. Bouge. Ah ben, je ne fais que des bêtises si je remets pas ma plaque au-dessus. Parce que quand ça va pas, hein. Voilà, et je vais faire le dessus. Est-ce que j'ai un gris? Oui, je dois avoir un gris là. Est-ce que j'en ai un autre? Le gris. Voilà. Tout il tombe. Oh là là, c'est pas la journée, je vous le dis. Hein. Et on rigole pas derrière son écran. Je vous vois. Je vous vois rigoler. Donc, là, il me faut mon aiguille. Joyeux Noël. Non, moi cette année, je n'ai rien fait. Quand je veux dire que j'ai rien fait, j'ai pas mis de sapin, pas de déco, j'ai rien mis. C'est la première fois en 57 ans que je n'aurai pas de sapin à Noël. J'avais pas envie. Voilà. Je sais pas vous, mais moi, vraiment pas envie. Allez, je vais remettre un petit lot de sapin. Voilà. Alors, maintenant, où est-ce que j'ai mis? Ouais, ils sont là. J'en ai encore les argentés, oui, en petit, voilà. Des petits trous. Voilà. Voilà. Et le deuxième. Bon, tu rentres ou tu rentres pas? Ah non mais, faut pas se laisser faire par une attache parisienne. Voilà. Donc ça, c'est mon étiquette. Et donc maintenant, je vais la coller après là-dessus. Mais pour l'instant, on va mettre celle-là sur la carte. Puisqu'elle est autocollante. Voilà, et le joyeux Noël dessus. Alors on va lui mettre du 3D. Voilà. Voilà, voilà, hein, je le dis souvent, voilà. Voilà. Encore une fois, voilà. Le petit gnome. Et maintenant, je vois qu'il y a encore une double face qui dépasse là. Je vais découper. Alors, ici. Alors la carte n'est pas encore tout à fait finie. Je vais vous montrer. Parce que mon fils m'a demandé de faire une petite chose sur chaque carte. Donc là je mets en 3D pour que ça prenne un peu de relief. Quel sens? Là, je vais mettre comme ça. D'habitude, je vais vous rappeler, je fais souvent comme ça, en pupitre, mais là, je vais mettre comme ça, parce que vous allez voir pourquoi. Donc, bien droit. Voilà. La première carte et je vais rajouter donc ce que mon fils m'a demandé. Je vais prendre le même papier que j'ai pris que pour le fond et je vais me servir de ce dies. Vous voyez, c'est une petite pochette. J'ai fait une petite pochette. Donc, je vais regarder là. Là. Oh, il ne manque pas grand-chose. Hein. C'est bête. Dans ce sens-là, ça n'ira pas. Donc, je vais prendre dans ce sens-là. Voilà. Je prends sur l'envers pour faire les marques. Alors, mon fils m'a demandé de faire des petites pochettes dans les cartes, parce qu'ils vont avoir chacun une petite carte cadeau. Je sais pas pour une petite carte cadeau, voilà. Et donc il avait besoin que je fasse des petites pochettes à l'intérieur. Alors dans le temps j'avais voilà. Mon truc pour découper. On va pas découper jusqu'au bout, hein. À partir d'ici, normalement ça doit être bon. Et ici. J'espère que ce papier là va aller. Que les papiers actions, quand il y a besoin de les plier, des fois c'est un peu galère. Voilà. Dans ce sens-là, voilà. Hop. toujours un peu galère quand il faut plier ces... Parce qu'ils sont, un peu épais. Et du coup, souvent, ils se cassent. Donc, on va voir. Sinon, je ferai dans un autre papier, lequel je ne sais pas. Allez. Voilà, ça suffit. J'arrive pas tout de suite le die. Je vais voir si j'arrive bien à enlever tous les trous là. Ouais, c'est bon. Alors. Voilà. Bon, ce morceau-là, il n'en ferait plus rien, je peux le jeter. Ce que ça fait comme découpe, et donc j'ai les petits pointillés, voyez, là où je dois plier, et ces deux côtés là, c'est les côtés où je dois coller. Donc là ça va, ça a l'air d'aller. J'avais, voilà, mon pliloir. Voilà ce que ça donne. Bon, ça m'embête, c'est que c'est blanc à l'intérieur. Donc ce que je peux faire, je laisse blanc ou je remets une couche d'argenté, mais bon, ça va être épais. Bon, je vais laisser comme ça. Bon, on va coller. J'espère que ma colle, elle va encore. Je vais faire avec mon bec, mon petit bec comme ça. Allez, cool. Ah, il y a papa qui dispute les toutous. Ça, c'est pas chaud. Pas chaud qui doit faire des bêtises. Là, lundi prochain, il va aller à son premier toilettage. D'habitude, bon, c'est moi qui lui fais son bain, qui lui coupe un peu les nœuds, qui le brosse. Mais là, bon, il va faire son premier toilettage. Je suis en train de penser, non, c'est pas dans ce sens-là que je dois faire. Ah, je suis bête. C'est dans ce sens-là. Vous l'entendez crier? Hop, ça va, heureusement j'arrive à enlever la colle. Donc c'est dans ce sens-là. Voilà, bon, je vais remettre la colle ici au bord. Heureusement, je l'ai vu avant de le coller. Ouais, donc je disais, il va faire son premier toilettage lundi, là, qui arrive. Mais il est tellement foufou, je sais pas ce que ça va donner. vraiment pas ce que ça va donner. Bon alors, pourquoi je veux pas? J'arrive pas. J'ai pas dans ce sens là. Je suis bête ou quoi aujourd'hui? Dans ce sens là, là. Ouh là là, mais je suis... Bon. Je vais mettre des pinces. Je prends mes pinces à couture là. Elles sont plus petites. Ah bah oui, il est en train de le brosser. Alors voilà. C'est pour ça, c'est ce que je disais. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner avec la toiletteuse. Ah, elles ont l'habitude, hein. Mais il est tellement fou. Oh là là. Quand on le brosse, il tourne sa tête dans tous les sens. C'est une galère. Alors, je crois que là, sur cette vidéo, vous aurez une carte. Et je vais vous faire les deux autres cartes sur une ou deux autres vidéos, puisque là on est déjà à 50 minutes. Donc ça, sinon ça va vous faire trop long à regarder. Donc ça on va le mettre là. Je regarde si j'ai rien à rajouter en attendant. Est-ce que j'ai encore du brillant? Il va falloir que je m'en commande un parce que celui-là commence à être... Alors c'est ça, c'est un pinceau avec du brillant dedans, des paillettes. C'est le Wink's of Brush, voilà. Je l'avais acheté il y a 2 ans. Pour essayer de faire briller leur petit chapeau. Un peu de paillettes dedans. Et là, il va vraiment falloir que je m'en commande à nouveau. Voilà. Voilà, les petits chaussons. Et voilà. Bon, je ne sais pas si vous allez voir que ça... Ah si, vous voyez, voyez? Voilà, on a un petit bonnet qui brille. Et je vais m'en recommander un. Je vais vous mettre un lien en barre d'infos. Trouver ça, on en trouve un peu partout, bon, quand même. Voilà. Bon, qu'est-ce que ça a collé? Oui, ça a collé. Donc là, je vais mettre du double face pour le coller sur la carte. Sur le dos, bien sûr. Et voilà, ça tient bien. Hein. Et on va mettre ça ici au milieu. Voilà. Et voilà. Donc il va pouvoir glisser sa petite carte dedans et là faire le petit texte pour la carte. En voilà une. Donc avec son enveloppe que j'ai mis quelque part. J'ai mis les enveloppes. Oh là là. Ici. Voilà, avec la petite enveloppe. Et voilà. Donc ma petite carte avec les gnomes. Joyeux Noël. Donc la première. Il en reste deux à faire. Donc je vais vous faire une autre vidéo parce que là, ça va être beaucoup trop long pour vous. J'ai pitié, vous inquiétez pas. Voilà, avec les petits Pères Noël qui ont leur bonnet qui brille. Voilà, on le voit là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Je vais essayer de vous mettre en barre d'infos. Bon, les papiers actions, ça vous savez. Hein. Je vais essayer de vous mettre en barre d'infos si je retrouve le papier autocollant. Et donc le blanc, l'argenté, voilà, et le stylo à paillettes. Voilà, je vais regarder pour les retrouver et je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez les retrouver. Voilà, allez, à très vite. Je vous fais la deuxième vidéo pour la seconde carte et du coup, il y aura, je pense, une troisième vidéo pour la troisième carte. Voilà, allez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu également pour faire fonctionner la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Et maintenant, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures. À bientôt. Bisous.